Alors, bien évidemment, Université d'été de la performance à Nantes, la directrice générale de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire ne pouvait pas faire autrement que d'être présente. Mais en même temps, je le fais avec un vrai plaisir et avec un vrai intérêt, parce que vous savez que pour les agences régionales de santé, la question de la performance est centrale. La performance de l'organisation du système de santé régional, la performance de l'organisation des parcours des personnes dans le système de santé, et puis la performance des opérateurs. Donc, comment on pense la performance? Comment on pense la question de l'évaluation? Comment, finalement, on prend en compte des indicateurs qui ont du sens par rapport à la logique de la performance? C'est la réflexion des universités d'été. C'est donc pour ça que je suis présente. L'intérêt de ces universités d'été, c'est de pouvoir créer l'échange, créer le débat autour de thématiques que nous n'abordons pas forcément dans d'autres congrès, c'est-à-dire la question de la performance, et puis surtout la question de la performance, pas simplement de tel opérateur, un établissement de santé ou un établissement médico-social, mais la performance ensemble, de manière décloisonnée et de façon transversale. Et bien évidemment, une agence régionale de santé est intéressée par cette dynamique-là. Comment on améliore ensemble la performance de notre système de santé au plan national, au plan régional, dans notre territoire de proximité, là où on agit et au sein de sa structure.